On a vraiment l'impression que je suis nue, hein. Pas du tout. J'ai une robe avec des bretelles, mais comme elles sont cachées avec mes cheveux, on a l'impression que je tourne à poil. Mais non. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session de produits terminés. Alors, je vous avais demandé de me donner un petit coup de main sur Instagram, puisque personnellement, ce sont des vidéos qui me lassent un peu, ou en tout cas qui ne m'enthousiasment pas vraiment, on va dire. Je sais que certains et certaines adorent ce type de vidéos et veulent que je continue d'en filmer. Mais je pars aussi du principe que si je tourne des vidéos sans grande volonté, enthousiasme, ça va s'en ressentir côté résultat. Donc je vous avais demandé de me soumettre quelques idées pour les rendre un peu plus fun, rigolotes, ludiques. Je pensais par exemple à Emma Dolly qui fait des sessions de produits terminés en faisant des paniers avec des points, etc. Donc pas à partir sur la même chose évidemment, mais... voilà, quelque chose du genre. Vous avez été plusieurs à me soumettre des petites idées sympas, notamment une qui m'a vraiment bien plu. Je te remercie de me l'avoir donnée si jamais tu passes par là. Elle reprend un petit peu l'idée des paniers, mais en version, on va dire, un peu plus adaptée à ce que je peux proposer sur la chaîne. Donc je vais vous lire ça. Tu pourrais tout simplement les jeter en visant la poubelle de tri adaptée, genre flacon en verre pour la poubelle verte ou réutilisation perso, plastique et autres pour la poubelle jaune, juste histoire de rappeler que le tri sélectif, c'est important pour la planète. Et oui, c'est une très bonne idée. J'étais partie là-dessus jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais quand même beaucoup de flacons en verre. Et comme je suis d'un naturel un petit peu maladroit, je me suis dit que ça n'allait pas le faire. Chez moi, c'est quand même du carrelage, donc à moins de mettre un énorme tapis derrière moi, et encore, je serais capable de viser à côté du tapis tellement je ne suis pas douée. Donc au final, on va rester sur la version somme toute assez classique, hein, mais en un petit peu plus améliorée quand même, puisque je vais distinguer les produits terminés en fonction des poubelles ou des réutilisations auxquelles ils sont destinés. Je vais commencer par deux petits papiers très très fins qui contenaient des savons saponifiés à froid et qui vont aller dans mon sac à compost. Alors moi je ne sais plus si je voulais préciser ou pas, je ne fais pas de compost à titre personnel puisqu'il est fait en fait au niveau communal, on a ce qu'on appelle un biodéchet dans lequel on met chaque semaine nos déchets compostables. Il part tous les jeudis et le compost est réalisé en gros, entre guillemets, au niveau communal et on peut aller en chercher pour notre propre jardin. Donc déchirer en tout petits morceaux, ça va très bien dans le compost, ça se délite très très bien. Il y a juste un petit scotch sur celui-ci qu'il faudra que j'enlève parce que bon, ça c'est un peu moyen. Mais autrement, les petits papiers très très fins comme ça, c'est nickel pour le compost. Et je suis en train d'y penser, il y a même des petites cartonnettes un petit peu plus épaisses qui peuvent dans certains cas aller au compost. Je pense notamment au packaging des produits Lamazuna qui contiennent les shampoings solides, les brosses à dents, etc. à moins que vous les achetiez en vrac à la boutique ou en ligne. Je crois que vous pouvez préciser si vous voulez les packagings ou pas. Je ne sais plus, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, tous les packagings en carton de l'Amazona sont compostables, donc vous les déchirez en petits morceaux et vous pouvez les mettre dans votre compost. Et donc pour ces deux savons, il s'agissait de celui à l'huile de chanvre et à l'ortie, le Brosséliande de la savonnerie de la Dryade, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, il me semble. C'est une savonnerie qui est tout près de chez moi et j'adore vraiment ces savons. Le petit papier sont encore super bons. Ils ne sont pas tous véganes puisqu'il y en a certains qui contiennent du lait de jument, lait de chèvre et miel, je crois. Mais vraiment, c'est une super savonnière que j'ai déjà rencontrée puisque je l'ai mise en avant sur Bressware. Qui fait vraiment attention aux ingrédients qu'elle utilise. Elle va au maximum auprès des producteurs locaux pour chercher les actifs qu'elle souhaite intégrer dans ses recettes de savon. Vraiment, c'est une super savonnerie qui est certifiée Nature et Progrès. Et pour le deuxième, c'était un savon aux huiles essentielles de je ne sais plus quoi d'ailleurs, de romarin tout simplement, et celui-ci contenait du miel d'ailleurs. De la petite marque artisanale Badabule qui vient de l'île de la Réunion. C'est un savon que j'avais acheté lors de notre voyage là-bas en janvier 2016. Ça commence à remonter maintenant. Donc normalement c'était un shampoing en fait, mais que moi je n'ai pas du tout aimé en shampoing. Donc je l'ai utilisé pour les mains et pour le corps en guise de savon classique, on va dire. Je passe maintenant à la poubelle jaune, donc à la poubelle de recyclage. J'ai trois catégories de produits qui vont partir dans cette poubelle. Tout d'abord des cartonnettes, encore une fois, qui contenaient majoritairement des savons saponifiés à froid, pardon. Le sésame lycée citronné de Lulu & Guy, qui est une marque qui est en Loire-Atlantique, je crois, dans le 44, à Couëron. Très très bon savon. Alors
Je vais pas vous donner des avis différents à chaque fois parce que les savons saponifiés à froid, j'en utilise tellement et ils sont tous très très bien à part quelques références dont je n'ai pas forcément aimé l'odeur, mais d'une manière générale, tous les savons saponifiés à froid me conviennent. Donc j'en rachète systématiquement sans forcément rester fixée sur une marque en particulier, même s'il y en a effectivement que j'aime un petit peu plus que d'autres. J'ai aussi terminé les trois savons de la marque Phonétique, à la cameline bio, à l'argile verte et au chanvre. Ça sent encore vraiment super bon dans les cartonnettes. Mon préféré, c'était celui au chanvre, si je dis pas de bêtises. Ils sont encore une fois très très bien, ils prennent vraiment soin de la peau. Et c'est tout au niveau des savons saponifiés à froid. Autrement, c'est un shampoing solide, le Notox, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment dans ma vidéo routine capillaire. Et je crois que j'ai aussi une cartonnette du pur, mais qui a déjà dû partir dans ma poubelle jaune, parce que je ne la vois pas ici. C'est un excellent shampoing solide qui purifie vraiment le cuir chevelu, qui l'assainit sans l'agresser pour autant et sans dessécher les longueurs et les pointes, donc il est vraiment top. Ensuite, j'ai terminé pas mal d'hydrolats, ce sont des indispensables de ma salle de bain, au même titre que les savons saponifiés à froid. Je pense que depuis le temps que je vous en parle, vous devez le savoir. J'ai terminé trois mélanges d'hydrolats de la Rivière des Arômes, qui sont des producteurs récoltants à Rosan. Alors je crois que ça ne fait pas partie de la Drôme, mais ce n'est pas très loin. Le fleur de thym qui contenait des hydrolats de carottes sauvages, de thym et de romarin. L'eau de nuit qui contenait camomille romaine, lavande et tilleul. Et l'eau à la bouche qui n'était pas du tout un hydrolat à appliquer sur le visage. C'était un bain de bouche avec des eaux florales de laurier, de lavande et de menthe. J'adore ces hydrolats, vraiment. La Rivière des Arômes, c'est une petite marque française que j'aime beaucoup. Je trouve que les hydrolats sont vraiment d'excellente qualité. Le seul petit hic, c'est les packagings en plastique. Je préfère quand même le vert, mais autrement, vraiment, ce sont d'excellents hydrolats que je ne rachèterai pas forcément parce que j'en ai pas mal en stock de producteurs bretons, donc je vais les écouler avant. Mais il se peut clairement que j'y revienne dans les mois à venir parce que vraiment, je les ai beaucoup aimés. Donc tout ça va partir à la poubelle jaune, excepté les embouts vapeaux que je vais récupérer sur ces deux-là, pour les mettre sur d'autres bouteilles, puisque parfois ils sont conditionnés dans des packagings tout simples avec un bouchon. Et comme moi en général je préfère vaporiser mon visage avec les hydrolats, je vais récupérer les embouts. Et pour le quatrième, c'est un hydrolat de rose de la marque Essentiaga, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pareil, c'est une marque d'hydrolat que j'aime beaucoup, que je trouve d'excellente qualité, et qui est surtout très accessible pour moi, puisque je les trouve dans mes magasins bio habituels. Encore une fois, dommage pour le packaging en plastique, et puis on reste sur un bouchon classique, donc un petit peu moins pratique si comme moi vous aimez vous vaporiser le visage. Mais autrement, c'est vraiment un excellent hydrolat qui sent très très bon la rose. C'est assez dur, je trouve, de trouver un hydrolat qui sente vraiment bon la rose, une odeur de rose vraiment fraîche, sans aller sur une odeur un petit peu mamie, vieille rose un peu fanée, hein. Et celui-ci sur le plan olfactif est vraiment très réussi. Vont également partir dans la poubelle à recyclage deux dentifrices qu'on a terminés à la maison. Tout d'abord le Pure Aloe, qui est un dentifrice à l'aloe vera vivant à 70%, bio et équitable. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas montré les produits. J'avais dit que je ferais attention à ça dorénavant, mais vous voyez, je parle et je n'y pense pas. Donc voilà, c'est un dentifrice qui est comme ça, qui fait, c'est un format classique, hein, 75 ml, qui n'est clairement pas donné. Je crois que c'est un dentifrice qui coûte un petit peu plus de 5 €, mais on l'aime vraiment beaucoup à la maison, et c'est le seul dentifrice un peu naturel, bio, que monsieur aime bien. Tous les autres dentifrices que j'ai essayés, ils n'accrochent pas du tout, ils trouvent que ça mousse pas assez, que ça ne laisse pas un goût assez frais dans la bouche, alors que celui-ci, oui. Et j'adore ce dentifrice qui prend vraiment soin des gencives. Moi, j'ai tendance à avoir les gencives assez sensibles, qui saignent un petit peu trop facilement. Et depuis que j'utilise celui-ci, en combinaison avec des dentifrices solides, je vous avais déjà expliqué que j'alternais entre les deux, c'est vraiment nickel. J'ai quasiment plus de petites plaies au niveau de mes gencives. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'avais également acheté, initialement pour monsieur, un dentifrice, enfin une pâte saline Velleda. Bon, il me l'a complètement broyé, donc ça ne vous donnera pas grand-chose. C'est le Velleda bleu comme ça. Et en fait, qui est top apparemment pour prévenir la formation du tartre. Et monsieur se plaignait toujours d'avoir du tartre qui restait derrière ses petites dents du bas. Je suis en train de raconter sa vie, il va être ravi s'il voit cette vidéo. Et en fait, ce dentifrice est dégueulasse.
Il a goutte de sel, il ne mousse pas du tout. Et en plus, il m'a dit qu'il ne l'avait pas trouvé efficace. Donc clairement non, on ne le rachètera pas. Alors que celui-ci, oui, c'est un indispensable à la maison. Et je vais terminer cette vidéo par les flacons en verre que je garde tous, sans exception, au niveau cosmétique, hein, j'entends. Parce que ça peut toujours servir, on ne sait jamais. On a terminé un déo que je fais maison. Pareil, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. La recette est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon là, il doit nous en rester pour une ou deux fois, mais on l'a bien vidé à deux. Je suis hyper contente d'avoir enfin converti monsieur au déo naturel et bio. Alors il y a juste sur la fin, là, il y a une petite semaine, il m'a dit que ça lui avait provoqué des irritations au niveau des aisselles. Encore une fois, il devait être ravi vraiment s'il tombe sur cette vidéo. Donc je pense partir pour lui sur une version un petit peu plus soft au niveau bicarbonate et huiles essentielles pour voir un petit peu ce que ça donne. Je sais plus ce que j'avais mis. Palmarosa et... Ylang-ylang peut-être. Je n'arrive même pas à distinguer les odeurs, vous voyez. Bref, c'est un déodorant que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace personnellement. Vous avez été quelques-unes à essayer cette recette et parfois vous me dites que le déodorant se déphase en cours de refroidissement. Donc ça peut arriver, moi ça m'arrive aussi. Donc ce que je fais, c'est que je remélange avec un petit cure-dent quand je vois que ça se déphase. Ou alors vous le mettez directement au congélateur au lieu de le laisser refroidir au réfrigérateur. Et là dans ces cas-là, normalement, il n'a pas le temps de se déphaser. Pour rester dans les produits faits maison, j'ai également terminé mon petit gommage à l'argile et à l'hibiscus. Dont pareil, je vous ai déjà parlé en vidéo et sur le blog. Bon là, il m'en reste un tout petit peu, mais même pas assez pour une fois. Donc je vais le refaire. Je vais peut-être changer d'argile ou de plante. Je ne sais pas, à voir. C'est un gommage qui est très très simple. Hein. Celui-ci contenait de l'argile blanche, de la poudre d'hibiscus que je fais maison en fait. J'achète de l'hibiscus en vrac dans une herboristerie et je la mixe pour obtenir de la poudre. Et j'avais également mis dedans de l'huile essentielle de géranium. J'ajoute un petit peu d'eau, je masse sur visage humide sans laisser poser parce que la poudre d'hibiscus teinte la peau. C'est un gommage très très simple que j'aime beaucoup et que ma peau adore. Donc je vais le refaire avec grand plaisir. Toujours côté gommage, masque, j'ai également terminé celui de la marque Soin de Soi. Je vous en ai fait une revue complète sur le blog, je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une petite marque bordelaise qui fait des cosmétiques naturels artisanaux avec des compositions... Vraiment les ingrédients sont top, ils sont très très bien sélectionnés et les formulations sont je trouve très abouties. Le seul hic c'est que les prix sont assez élevés. Au niveau de ce gommage, je ne sais plus combien il coûte, mais je pense que c'est aux alentours de 30 euros. Encore une fois, je vous remettrai le lien de mon article en barre d'infos, donc vous pourrez aller voir tout ça. Donc je ne le rachèterai pas juste pour ça, parce que même s'il était beaucoup plus sensoriel, avec une texture bien plus aboutie, au niveau de l'effet, je suis largement conquise avec mon petit gommage à l'argile que je fais maison. Et encore une fois, j'ai oublié de vous montrer le packaging. C'est un petit flacon ambré comme ça, avec une étiquette toute simple, noire et blanche. J'aime beaucoup l'esprit épuré de la marque. Donc je vais le garder pour faire des petites tambouilles maison. Je pense que ça peut toujours servir. La crème de jour capillaire de la marque Tumos, dont je vous ai parlé dans ma vidéo routine capillaire. En ce moment, j'utilise celle de Novo, que j'avais reçue de la part de la marque. Donc elle avait pris le relais quand j'avais terminé celle-ci. Mais clairement je préfère celle-ci à 1000%, elle est bien plus onéreuse, je sais plus combien elle coûte mais assez chère. Mais mes cheveux l'adorent, elle est super pour les hydrater, leur donner de la souplesse sans les graisser, sans leur donner vraiment un aspect lourd et un peu gras. Voilà à quoi ressemble le flacon, c'est un flacon pompe hein, tout simplement. De mon côté deux pompes me suffisent pour faire toutes mes longueurs et mes pointes. Donc elle est quand même assez économique, c'est pour ça que je la rachète volontiers. Dès qu'elle est terminée, là je ne l'ai pas rachetée parce que j'ai celle de Denovo. Mais dès que la Denovo sera terminée, je repartirai sur celle-ci avec grand plaisir. Je garde encore une fois le flacon parce qu'on ne sait jamais, pour les petites tambouilles maison ça peut toujours servir. Et enfin je vais terminer avec ces deux petits flacons en verre ambré, avec des pipettes comme ça, que j'adore conserver personnellement parce que j'aime beaucoup me faire des petits mélanges d'huile végétale avec des huiles essentielles, etc. Que j'aime bien conserver dans ce type de flacon. Tout d'abord, j'ai terminé le sérum éclat de la gamme Hydra, toujours chez Soin de Soi, la marque dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un sérum que j'ai juste adoré, il a vraiment aidé ma peau quand elle avait des petites plaques de déshydratation au niveau des joues. Là, ça va mieux maintenant, mais il y a quelques mois, c'était juste la catastrophe. Là, pour le coup, j'avais vraiment une peau mixte, à tendance grasse sur la zone T, même si ça allait à peu près.
plutôt normal. Par contre, les joues ultra déshydratées qui tiraillaient et tout, c'était vraiment une horreur. Et ce sérum m'a vraiment, vraiment aidée. Il avait une texture aqueuse et très évanescente qui nourrissait instantanément la peau, enfin qui hydratait plutôt instantanément la peau. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. En plus d'avoir une odeur exquise, vraiment, c'est un super sérum. Je ne le rachèterai pas tout de suite parce qu'il est cher, encore une fois. Et que pour l'instant, je touche du bois. Je n'ai plus de problème de déshydratation au niveau de mes joues. Mais si jamais le problème survient de nouveau, je sais que je pourrais me tourner les yeux fermés vers ce sérum parce qu'il avait été très très efficace sur moi. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, encore une fois, c'est très simple et très épuré. J'aime beaucoup. Et pour le deuxième, il s'agissait de la Miracle Facial Oil de la marque Evolve, dont je vous avais parlé, je crois, dans une vidéo favorite, mais qui doit dater maintenant. C'est tout simplement un mélange d'huile végétale, rose musquée, argan et nigel. J'ai vraiment adoré ce mélange d'huile végétale, en particulier pour la rose musquée que j'ai découvert à l'occasion du test de ce produit. Et vraiment, c'est une huile végétale qui convient à 10 000% à ma peau. J'adore son effet un petit peu tenseur sur la peau et on va pas dire combleur de rides, mais vraiment on sent que la peau est un petit peu plus rebondie et qu'il y a certaines petites ridules qui sont atténuées. Je vous avais parlé en particulier de ma ride du lion, hein, qui est assez marquée. Et vraiment, je suis quasiment certaine maintenant que l'huile de rose musquée a vraiment amélioré son aspect, puisque je l'utilise encore maintenant, même si j'ai terminé ce produit. J'ai toujours un flacon d'huile de rose musquée dans mes placards, ou huile d'églantier, mais c'est de la même famille avec sensiblement les mêmes propriétés. Un peu comme la marque Soin de Soi, on est sur un packaging vraiment, vraiment épuré, avec juste l'essentiel, et personnellement j'aime beaucoup. Je ne rachèterai pas ce mélange, non pas qu'il ne m'a pas satisfait, au contraire, mais c'est vrai que là, depuis plusieurs mois, j'adore me faire mes mélanges d'huile végétale et d'huiles essentielles maison. Je vous en ai parlé sur le blog, je vous remettrai le lien à ce sujet en barre d'infos. J'ai encore des mélanges tout faits, entre guillemets, dans ma salle de bain, prête à l'emploi plutôt. Mais bien souvent, ce sont des mélanges que je reçois de la part de marques, puisque de mon côté, à titre personnel, je les fais maison. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, j'ai vraiment apprécié ce format, même si c'est pas quelque chose de complètement dingue et novateur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de trier vos déchets. À bientôt !